Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel enregistrement. Euh, Aujourd'hui, un sujet euh, qui me tient à cœur et c'est une idée de sujet que j'ai trouvé en regardant Échapper Belle en Jordanie. Quelle femme as-tu envie de devenir depuis que tu es séparée, divorcée, dépaxée, solo, bref, depuis que tu es seule je suis Florence Cohen, créatrice de Divorcée et alors Bisecap, mets le cap sur ta nouvelle vie, sophrologue, auteur, psychanalyste, praticienne en psychothérapie, expérimentatrice de vie depuis que je suis séparée, et aujourd'hui donc j'ai envie d'aborder ce sujet parce que... Je croise beaucoup d'exemples, aussi bien en France qu'ailleurs, de femmes euh, qui parviennent après leur rupture amoureuse euh, de faire de leur vie quelque chose vraiment d'extraordinaire. C'est vraiment impressionnant. Euh, je peux en croiser par hasard en France. Regardez cette émission euh, d'échappée belle en Jordanie. Ça m'a juste euh, fait Dire waouh, c'est juste génial. En fait, ah, si vous entendez du bruit, ben c'est mon chien. En fait, le petit souci que moi je trouve hein, euh, en France, c'est que il euh, y a beaucoup d'aide, il y a trop d'aide, alors que se révolter contre ce qui nous est arrivé, ou bien euh, choisir de trouver une voie pour s'exprimer de trouver une voie pour travailler, ça met, ça change totalement les vies. Et donc, ce sujet me tient beaucoup à cœur parce que, ben, parfois, je vais entendre des femmes dire ah non, j'ai pas envie, euh, je veux que la Sécu, mon ex-mari, paye. Mais quelque part, si vous voulez changer, si vous voulez devenir la femme que vous souhaitez être, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses, eh bien c'est de vous demander euh, pour vous est-ce que vous voyez déjà quelque chose comme euh, je n'ai plus du tout envie euh, de vivre ce que j'ai vécu? Et sans savoir trop où aller comment partir déjà, avoir ça dans votre tête, dans vos cellules, dans vos envies. Est-ce que vous avez un rêve Est-ce que vous souhaiteriez changer de travail, faire une formation, trouver un autre travail Vous n'avez jamais travaillé. Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre sur le marché de l'emploi, de commencer à vous renseigner, de commencer à trouver des pistes Qu'est-ce qui vous animait quand vous étiez plus jeune, adolescente, avant de vous marier en fait, vous avez déjà des ressources en vous, mais que vous n'utilisez pas, qui sont en berne. Donc en fait, quelle femme euh, avez-vous dans l'idée de devenir Est-ce que vous souhaitez ne plus être dépendante de quelqu'un Il y en a beaucoup à qui ça arrive. Je vais vous donner des noms bien sûr, parce que ben ce sont des femmes qui m'ont marqué par euh, comment dire, euh, par leur témoignage, par la façon dont elles s'expriment. Est-ce que euh, je ne sais pas pour une femme qui n'a jamais travaillé, il y a tellement mais tellement de choses à faire, de choses à découvrir. Moi, pour vous donner un exemple, je travaillais dans une société. J'y suis restée plus de 20 ans. Euh, je voulais plus depuis très longtemps travailler dans cette société. Je voulais. Je m'étais dit un jour, je veux être mon propre patron je savais pas du tout euh, ce que j'allais faire. Je sais que en suivant ma thérapie, je suis tombée amoureuse de la psychanalyse. Je me suis dit c'est juste magnifique. Je veux faire ça quand je serai grande. Et ensuite, j'ai découvert la sophrologie, la psychologie, mais j'ai aussi mis à profit tout ce que moi je vivais sur mon propre chemin pour guider les autres, pour euh, voir ben je me casse la figure comment je me relève. J'ai croisé des personnes comme moi qui ont voulu aussi changer leur vie. Et donc, oui, oui, c'est possible de devenir indépendante si vous le souhaitez, de gagner de l'argent si vous le souhaitez. Tout est possible, tout est réalisable du moment où vous avez envie. Alors, je ne vais pas vous cacher que peu importe, peu importe la personne qui va vous guider sur ce chemin, euh, c'est mon chien qui m'amène des bêtises, qui voudrait que je joue avec lui mais c'est pas le moment en fait. <laughs> Donc en fait, si j'avais pas eu sur mon chemin euh, j'appelle ça des guides, des personnes qui m'ont aidé à aller plus loin dans mes objectifs, dans ce que j'avais envie, euh, j'en serais là. Parce que quand on a vraiment l'envie, la niaque d'y arriver, on y arrive. Alors dans cette émission d'Échappée Belle en Jordanie, euh, quand j'ai regardé l'émission, j'ai regardé la première partie parce que ça m'a vraiment interpellée. C'était vraiment tellement chouette que ça m'a interpellée. Donc je l'ai re regardé une seconde fois pour noter les noms de ces femmes qui m'ont marqué. Donc en fait j'ai découvert des femmes inspirantes euh, de la Jordanie. Et ça s'appelait d'ailleurs Success Story de Femmes. Donc il y avait Mouna Haddad qui est fondatrice de l'agence Baraka Destination. C'est une jeune femme, alors je ne sais pas quel âge elle a, elle n'est pas, pas très vieille, mais qui a une multitude d'idées et qui aujourd'hui coopère avec 150 personnes. Donc euh, elle coopère notamment avec euh, une femme qu'elle a entraînée avec elle qui donne des cours de cuisine aux étrangers qui viennent en Jordanie. Donc, ils ont, elles ont construit ces ateliers. Euh, elle fait tellement de choses que j'étais là à me dire c'est juste énorme, c'est juste magnifique d'avoir l'envie euh, de, de de faire toutes ces rencontres, de partager son savoir, de l'allier avec d'autres femmes ou d'autres personnes qui ont d'autres savoirs. Elle elle se ménage pas, elle adore ce que, elle adore ce qu'elle fait. Et donc j'ai trouvé ça vraiment génial parce que à tout âge on peut euh, construire sa vie, on peut en faire quelque chose, on peut démarrer de zéro, puis à un moment donné se retrouver avec un, deux, dix, 150 collaborateurs ou co-créateurs, comme vous voudrez. Donc c'est quelque chose qui m'a. qui m'a tellement mise en joie, elle est tellement fondatrice de de, de tellement de choses, elle a, elle a, elle a fondé des, des terrains de randonnée, enfin fondé, elle a déterminé des terrains de randonnée, elle les a fait euh, justement définir, vous savez, par les marques pour qu'ils soient répertoriés. Elle a fait énormément de choses. Si jamais vous avez l'occasion d'aller voir cette émission euh, qui était sur la 5 je crois, allez-y parce que voilà, c'est un, un, un exemple de vie pour une jeune femme qui vit en Jordanie que j'ai trouvé extraordinaire. Ensuite, euh, il y avait Alima, Zaidan. Alors, j'espère que je lis bien le nom, Abderrahman, qui est né en 1964. Donc ça veut dire qu'elle a aujourd'hui 57 ans. C'est une femme mariée qui a eu quatre enfants. Ces enfants aujourd'hui, ben, sont grands, ont tous des bonnes situations, ils ont fait leurs études et c'est une femme euh, qui a commencé à travailler et en fait, elle tricote des, des, comment dire, ça peut être des écharpes. Enfin, elle fait du tricot avec de la laine, de la soie, et elle va vendre, en fait, ce qu'elle fait dans une association. Et en fait, quand euh, elle a été interviewée pour cette émission, euh, ce qui lui faisait, elle, plaisir et ce qui, en fait, euh, la faisait se sentir exister, c'est qu'elle n'était plus dépendante de son mari pour des c'est, elle n'était pas obligée de demander à son ex-mari de l'argent pour faire une course, elle pouvait donner de l'argent à ses enfants quand elle en voulait, quand elle le voulait. Et en fait, elle avait gagné, comme elle le disait, son autonomie financière. Et donc elle mettait et elle met toujours son talent de brodeuse au service d'une marque de luxe. En fait, Ma question, c'est pourquoi ne pas faire de ta nouvelle vie une success story Pourquoi les femmes divorcées, y en a tant qui galèrent après une rupture amoureuse Là, je t'ai parlé de deux femmes en Jordanie. Mais j'aimerais te parler d'une autre femme qui est en France, qui s'appelle Sophie Noquin, qui est coach. Et euh, pour la petite histoire, en fait, Sophie... Elle était, si je me trompe pas, si elle écoute cette vidéo, elle me corrigera. Euh, elle était institutrice. Elle travaillait dans les écoles. Elle s'est séparée. La seule chose qu'elle a su, c'est qu'elle ne voulait plus de la vie qu'elle avait eue. En quatre ans, c'est devenue une coach formidable. Elle accompagne, euh, je ne sais pas si c'est des hommes et des femmes ou que des femmes à développer euh, leur entreprise et la seule chose qu'elle savait, moi ce qui m'a marqué quand je l'ai écoutée, c'est que elle ne voulait absolument pas revivre ce qu'elle avait vécu. Elle voulait vraiment tout envoyer valdinguer et vivre quelque chose de nouveau à elle. Alors, si on lui demande Sophie, c'est facile, elle vous dira non. Comme moi, ça n'a pas été facile non plus. Mais par contre ces difficultés elle a su les transformer pour les mettre au service d'autres personnes en fait ce qui apporte de la valeur ce qui apporte euh, comment dire de la joie ce qui apporte euh, quelque chose de euh, que vous allez trouver pimenté qui va vous exalter c'est qu'en fait votre difficulté du moment peu importe vous allez en faire quelque chose pour la mettre au service d'eux. En psychanalyse, ça s'appelle la sublimation. C'est-à-dire que vous avez des pulsions et ces pulsions, eh bien, vous allez les travailler pour les mettre au service d'eux. On dit qu'un chirurgien, en fait, il sublime ses pulsions. Il a des pulsions et il les transforme avec son scalpel, avec ses opérations. En quelque chose qui va aider les autres. C'est un peu euh, comment dire. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est exactement ça. Vous trouverez du sens dans votre vie en même si vous savez pas où vous allez aller dès le début. Commencez par quelque chose. Commencez par aller vous renseigner pour une formation, commencez à aller par vous renseigner à Pôle emploi, vous allez avoir des petits détails, et puis vous allez avoir des noms, et puis vous allez avoir des gens euh, qui vont vous donner des indications, des adresses, des noms. Et en fait, c'est comme ça que progressivement, eh bien, vous allez trouver, découvrir ce qui vous plaît, comment le travailler et comment le mettre au service d'eux. Moi quelque part. Si vous me dites oui, euh, mais c'est normal euh, de galérer, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, euh, j'ai pas de fric, euh, il faut que je paye ceci, il faut que je paye cela, ok, vous restez chez vous, moi, sincèrement, je peux rien faire pour vous, parce que quand je vois le nombre de femmes qui, euh, ben, après leur rupture, décident de prendre leur vie en main, et eh bien c'est que vous pouvez vous aussi le faire. Donc, forcément, si vous êtes dans le déni, dans le négatif, et si vous préférez dépendre de la sécu de votre ex-mari, moi je vous juge pas, il n'y a aucun souci, mais je ne vais pas être faite pour vous aider, pour vous accompagner. D'accord Moi je suis là pour vous dire que oui, vous pouvez devenir la femme que vous avez envie de devenir, même si vous ne savez pas tout encore pour le moment, même si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, tout va se transformer, tout va continuer de bouger au fur et à mesure que vous allez vous mettre en route pour vous-même. Voilà. En fait, euh, vous êtes toutes. Moi, ce qui me surprend, en fait, c'est que vous êtes toutes formidables, vous avez toutes une force en vous. Que vous reniez, que vous ne voulez pas voir. Moi, je pars du principe que si on est capable de mettre au monde un enfant, de se battre pour élever son enfant, euh, d'accoucher euh, dans la douleur, c'est quand même pas facile. On est capable de tout bouger, de tout changer. Et en plus, on a la chance que quand ça arrive, c'est-à-dire quand on se transforme, quand on fait autre chose, quand on vit autre chose, on montre à nos enfants que Changer, c'est possible, même si on vit quelque chose de compliqué. Donc, ça serait vraiment, mais alors vraiment dommage, euh, de s'en priver. Voilà, moi, c'est ça que j'avais envie de de vous partager. Devenez vraiment qui vous souhaitez devenir. Euh, soyez qui vous avez envie d'être. Brillez, souriez, éclatez-vous, parce que la votre fin, la vie et votre vie ne font que commencer du moment où vous vous séparer. Voilà. Alors après, là, vous êtes en train de me dire, ouais, elle me dit tout ça, mais euh, moi, je suis intéressée, j'aimerais bien euh, qu'elle m'en dise plus, qu'elle m'accompagne. Euh, euh. Alors, ok. Si tu veux en savoir plus, eh bien, je t'invite juste à mettre dans les commentaires, j'aimerais en savoir plus, parce que là, c'est trop tôt pour te dire, pour te dire quoi euh, que je vais lancer un programme en groupe le 1er décembre. Ça commencera le 1er décembre. Donc, si tu veux en faire partie, si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin pour suivre les prochaines infos pour l'ouverture de cette cohorte 2022, tu marques dans les commentaires. Je veux aller plus loin. Sinon, c'est pas grave. Je ne suis pas là, surtout pas pour te forcer. Je suis là pour te permettre d'avoir des prémices de la nouvelle femme que tu peux devenir. Je t'embrasse, je te dis à très vite dans un prochain enregistrement et puis je te souhaite une très belle fin de journée. Ciao, ciao